Là, par contre, tu te sens très bien, là. Là, on est vivant, là. Ah, t'es froide, hein. T'es vraiment froide. Bon, les gars, bienvenue sur cette vidéo YouTube. Redevenir fort, épisode 4, ça y est, quatrième épisode, on commence à avancer hein, finalement. Comme vous avez pu voir dans l'intro, j'ai fait un petit bain froid. C'était rude, c'était froid, mais c'est cool, on a eu des beaux plans, et puis aussi, bah, on a profité de ce froid vikingesque. Aujourd'hui, la vidéo, ça va être Monsieur Tuss qui remet lourd, comme je vous l'avais dit dans l'épisode précédent. Je vous ai dit, prochain épisode, on recommence à charger. Alors, on va pas non plus 300 tout de suite, mais on revient sur 250 kg au squat. Ça fait longtemps, ça fait au moins un mois et demi que j'ai pas remis cette charge. Et en plus de ça, bah, j'ai changé ma mécanique au squat. Là, actuellement, je ne fais plus de low bar, je fais du mid bar avec des chaussures d'haltéro. Alors, comme j'ai dit, c'est pas encore définitif, mais aujourd'hui, ça va être un petit peu à la séance. On va tester. À tout moment, je me prends une pilule à 250. À tout moment, ça folle, ça fait chou. Franchement, dernièrement, je me sens super bien avec les chaussures haltéro. Je vais voir un petit peu ce que ça va donner. Donc voilà, au programme, on va monter à 250 au squat. Je dois aussi faire de la leg press, mais comme vous pouvez voir, je n'ai pas de leg press. Donc je vais faire de la SSB, safety squat bar, pour mettre vraiment l'accent sur les quads. Panam a mis du RPE 10, donc je pense que je vais mourir, tout simplement. Et après, on va faire du bench, los benchos. Du coup, je crois que je vais monter à 190 en 2CT. On remonte graduellement. Là, de toute façon, c'est la première semaine du bloc où on remonte sur les charges. Et j'aurai 3 semaines comme ça, donc la première semaine, après deuxième, troisième, et après on fera un deload, et donc du coup la troisième semaine on mettra vraiment lourd puisque je prépare le Silent Worker Meet. Je me suis échauffé très très longtemps parce qu'il fait très froid comme vous pouvez le voir, et j'ai la bonne idée de faire des bains froids en plus dans cette période, c'est génial. Mais il faut battre le froid par le froid, tu vois, faut y aller au front comme ça. Yep yep, tête dure, monsieur Tuss, c'est les origines vikings, faut y aller au charbon, tu vois. Bon, allez, je suis chaud comme la braise, et on va aller squatter des darons là finalement. Yep yep. Un gros plan sur mon fiac, je marche vraiment comme un Playmobil là. Il fait froid les gars, c'est... Ouh ! Allez, c'est parti. Est très bien passé. Franchement, je suis content. Ça fait super longtemps que j'ai pas mis lourd. Et du coup, bah, j'ai ce côté où je me dis, putain, j'ai hâte de remettre lourd. Qu'est-ce que ça va donner? J'ai l'impression de recommencer le power un peu dans une certaine mesure. Et là, je suis très content d'avoir passé 250 avec le mid-bar. Bah, mon squat, là, il est vraiment propre. Et le secret, tu vois, ça va vraiment être que j'arrive à garder l'angle de mon buste. J'ai fait mon warm-up à 200, j'étais sans ceinture. Je me suis un peu jeté. Et du coup, bah, en bas, tu payes un peu les pots cassés, tu vois. À partir de 230 avec la ceinture, concentré sur vraiment pousser sur la ceinture, créer un gros gainage, une grosse tension, et contrôler ma descente pour bien repartir. Et bah, franchement, la 250, elle a vraiment bien bougé. Et si je compare avec mon low bar d'avant, j'ai pas l'impression qu'en termes de force et de comment elle bouge, je me sens à des années-lumière. Ce que je veux dire par là, c'est que forcément, je vais passer du low bar à du mid bar. Je vais perdre des kilos, c'est évident. Parce que bah, déjà, ma technique a été optimisée pour le low bar. J'ai travaillé beaucoup là-dessus. Et puis, le low bar, c'est quand même plus avantageux pour moi dans le sens où j'ai un très long buste. Et puis, ça engage mes muscles fessiers, ça engage mon dos. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense que le low bar, ça a été peut-être une des raisons pour laquelle je me suis fait cette blessure au dos, la contrainte que ça a imposé, je pense que ça a été le résultat de tout ça. Donc c'est pour ça qu'on teste des choses et qu'on teste ce mid-bar, et c'est pour ça que je suis content aujourd'hui, parce que je me suis dit, bah, t'enflamme pas, parce que si ça se trouve, tu mets 2,50 et tu te prends une pilule, et franchement, c'est pas le cas. Alors je suis pas monté sur 2,70, je suis pas monté sur 2,80, mais je sens que je peux construire sur cette technique, et je sens que je peux construire sur ce squat, donc je suis très content. Quand je sors la barre, je me sens fort, et j'ai vraiment le temps de décomposer mon mouvement, alors qu'en low bar, on a tendance à vraiment être écrasé, tu vois, et tu te précipites pour faire ta rep, et t'es vite à bout de souffle, alors que là, tu peux vraiment te placer et faire ton squat. Donc on va voir, comme je l'ai dit, c'est pas définitif, c'est un test. Du coup, on va redescendre à 2,20, on va faire un 3x3, si je dis pas de bêtises, et après, du coup, on passera en SSB. Pour ceux qui connaissent pas, en fait, c'est une barre qu'on met comme ça, et en fait, ça imite un petit peu le front, sans mettre la contrainte du front, parce que moi, front, je peux pas.
Genre vraiment le front, ça me fume les poignets. La SSB en fait, ça, c'est vraiment, la barre se retrouve à peu près au même endroit. Donc ça met vraiment bien l'accent sur les quads et c'est ce qu'on veut renforcer. Donc voilà les amis, après on passera au warm-up du bench. Et franchement, je suis heureux. Heureux. Les gars, c'est pour ça qu'on dit que chaque série, chaque rep est importante. C'est pas forcément que sur des singles où tu vas te chercher lourd, que tu travailles ou que tu dois te challenger ou que tu dois être à 300% psychologiquement. Il y a aussi du travail comme ça, tu vas te repousser. Et là, pour le coup, les gars, c'est longtemps que j'étais pas allé comme ça. Fais du bien. En fait, je pense que toute l'accumulation de frustration, que j'ai eu dernièrement, bah, me rend plus fort. On le disait aussi tout à l'heure, je pense qu'une blessure, ça construit. Ça te permet de comprendre qu'est-ce qui s'est passé et d'en comprendre un peu plus sur toi. Et franchement, ça, je sens que ça me donne une force tellement nécessaire et tellement supplémentaire sur mes entraînements. Et vraiment, je sais pourquoi je fais ça, quoi. Là, je sais pourquoi je fais ça. C'est vrai qu'avant, quand j'ai commencé Power, bah, tout est allé vite. J'ai enchaîné les compétitions. Et il y a eu la hype, il y a eu plein de trucs. Et maintenant, je commence à comprendre, voilà pourquoi je fais ça. Parce que j'ai des objectifs derrière. J'ai envie de devenir plus fort en tant que personne, physiquement, en tout, tu vois. Donc vraiment passer par des étapes comme ça dans l'entraînement, ça fait du bien. Et vraiment là, avec cette ambiance viking, dans le noir, dans mon local, il y a un truc. Par contre, j'ai mal à la tête. Ouh, c'était vraiment du RPE 10, les gars. En fait, ce qui est terrible avec la SSB, c'est quand tu remontes, tu repars en avant, t'es tout compact. Et pour le coup, bah, je pense que là, vraiment, c'est intéressant que je travaille là-dessus, parce que je travaille vraiment sur mes points faibles. J'ai tellement un long buste que, automatiquement, quand je vais forcer, mon buste va s'arrondir. Et justement, travailler comme ça en tempo me permet de travailler sur les axes sur lesquels je suis plus faible. Donc voilà, les gars, j'ai un mal de tête, c'est pas possible. Je vais récupérer, boire et m'échauffer, on va passer au bench. Mais franchement, je suis content. Ce squat, très prometteur, j'ai de bonnes sensations. Et puis, Je suis dedans. Ouah, pfff, les genouillards. Maman. J'en profite aussi, les gars. Un immense merci à SBD France qui m'a envoyé tout ça. La nouvelle co, les gars. Franchement, moi, je kiffe. Je kiffe vraiment. Dites-moi en commentaire si vous validez ou pas. Déjà, ce t-shirt, je valide fort. Et puis, noir et blanc, moi, c'est vraiment ma vibe. Donc, voilà. Et aussi, autre truc. Alors là, vous voyez mes chaussures. Je pense qu'il y en a beaucoup qui disent, ouais, c'est quoi ces chaussures claquées? Est-ce que vous avez des références à me conseiller? Je connais les Romaleos, mais je sais pas trop ce que ça vaut. Mais voilà. J'aimerais bien des chaussures en vrai, noires ou blanches. Et en 49. Et des bonnes chaussures assez larges. Donc voilà. Si vous avez des petits rêves, si vous connaissez des trucs, je suis ouvert aux propositions. Bon allez, los benchos de la tarde. Wouah, les jambes là. Moi je vous le dis, 2024, monsieur Tuss, il a des quads. Faut faire de nos points faibles des points forts. C'est moi qui vous le dis. Je vais faire un t-shirt comme ça. Allez. Wouah.
es un chien, tu ne pourras pas en boire. Putain, on n'est pas bien là, frère, je suis bagué. Quelle idée d'habiter à Paris, franchement. Le sang, il m'a me chier dessus. Ok. Comme vous pouvez voir, nous sommes avec deux personnes qui sont à l'aise. Il est raffiné, tout gonflé. C'est quoi le projet, frérot? Bon, les gars, c'est la fin de cette vidéo. Au final, j'ai fait une outro dans la voiture juste après l'entraînement, mais ça avait coupé parce que les micros, ils étaient HS. Donc actuellement, je suis avec Kevin et on est en train de se faire un petit brunch. Et on sort de ce bain froid, c'était incroyable. Franchement, c'était incroyable. Pour se remettre de ses émotions, on s'est fait un petit brunch bien sympa. Et comme j'ai dit, pour revenir sur ce petit entraînement, franchement, je suis très très content. Ça a bien bougé, même ça fait plaisir de revenir sur des charges élevées. Le squat, je suis vraiment hype de tester une nouvelle mécanique, de voir ce que ça va donner. Et comme j'ai dit, je sens que je peux vraiment aller chercher des grosses barres avec ça. Et je me sens plus dans une démarche d'évolution avec cette technique-là. Donc on va voir ce que ça va donner, mais franchement, je suis assez content de ça. Donc voilà, voilou les amis. Je vous laisse, encore une fois, si vous voulez me soutenir chez MyProtein, si vous voulez des protéines, n'hésitez pas, le lien est dans la description, vous avez des réductions très élevées avec mon code. Merci à tous ceux qui passent par le code et le lien, vous êtes des chefs. Et puis évidemment, si vous voulez aussi prendre un petit pull ou un petit t-shirt oversize de la marque que j'ai lancé en mai dernier, bah, n'hésitez pas, le lien est aussi dans la description. Et je peux vous le dire qu'en ce moment, il fait froid, couvrez-vous, profitez-en et portez le scarabée. Adopte le scarabée. Voilà, tu peux adopter un mec et adopter un scarabée. C'est quoi le projet, frérot, là? Oula! Monte. Il monte. Est fou. Viens, viens. Non. C'est pas le... Viens, là. Là, Shadow. Hop. Oui. Ok, je pense que c'est... Il m'a bouffé. Regarde, c'est la petite bête qui bouffe la grosse. Bon, je pense que c'est... Allez, mon ref. C'est un beau mot de la fin, on va se quitter là, et puis on se retrouve pour l'épisode 5 de Redevenir Fort. Et là, pour le coup, on mettra encore plus lourd. Allez, je vous laisse. Ciao.